Bote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai tokomi mercredi 24 février 2021 masolona depite biso mukolo mwa lobi tozalaki topemite kobanda tongo tipokwa na makambu ya hôpital Mamayem bokulanda échange na ba débat des uns des autres na kati ya émission oyo. Donc ça là de sorte à ce que mission est à la penja moulaïté parce que Bamsou Bakomiko déclaré mission l'équipe moulaïto. Mais to pe ça quand même bino oeza essentiel. Masolona de Peter Pierre Massoudi en garde à vue. Aza en garde à vue. Il n'est pas encore aux arrêts. Azana en garde à vue. Pierre Massoudi Azana Naza chef ya brigade criminelle. Donc Aza ya police judiciaire. Les Camerounais, 150 000 dollars, Balobi a escroqué. Balobi est à conditionnel. Balobi a escroqué bah, Indien 150 000 dollars. Mais nous l'avons suivi quand même intervenir sur une chaîne tout en étant là-bas. Et Tokobeta moi, ma solo, bande konangai. Tokobeta ma solo, ya maziba na matete. Quartier maziba na matete, inondation, ya ma casse plus de 15 familles. Bakola la nakati amai. Kuna, nena kolobe la ba na matete. Les élus. Masolo. Masolo na depite, bande konangai, les 3 mars, eza élection à bureau définitif, lobby ambiance na palais du peuple, ba candidature, bati lukwebo, candidat unique comme président ya Sénat. Masolo na depite, de, rapatriement ya depuis mortel, ya ambassadeur ya Italie, Luca, bayati koluka en avion italien. À partir de Goma, à Zongi Panabango. Kuna, chef de l'État, j'ai pas décision. Joël Kadendanga, Nadjana, Pessing Boa Mboa Boi, Baswani, Bakenaki débat, Badeba, Oyo, Badeba, Oyo, Badeba, Bokomona, Magamne, Magamwezo Sala, Sama Lokonde, Lukonde, Azo continue, Koyamba, Yambi Batu ensemble, Yambi Batu ya avenir avec Pius Mwabilu, Yambi Batu à MLC. Ayambi Ambi Batu, Isaac Moussala, avec toujours la possibilité, les soucis, de former un gouvernement tendu des Congolais. Accident de circulation à la route Kasumbalesa, Bokota la moi image, Ndenge Zo Salema, Bande Konangai, Masolo, na depite. Tozo beta Masolo, Bande Konanga, Masolo, na depite, Bande Konanga, mais avant que to décortique, Makambango, parce que to lignito lobela. Pour notre déplacement à Bissou et à Kassai. Merci à Bandeko tout. Au Bako Kanisapé, pour cotiser le col à maman Wana Batinda qui est Pandeko Naye na Canada. Aya Katiki, quelques Maputa Wana Tiki Libiso. Merci beaucoup pour Nabino Nyo surtout. Tolobaki, ceux qui vous visent sur la téléphone, Tetozana Itaga 120 entre Wileri na Kassavoub. Au Kokuta Mos Lubaki, au Kuta Manix et Kembolo. Et l'essentiel, les Ayake. Ou bengi loko la boebi bangote parce que bango ba mona nakate. Ou kokuta didie ki ku wana boebi ye. Mais ou bengi pona quand même ko confirme ko za la malam. Merci nabino tout. Batu boko kanisa. Toko kende kuna. Et loko na lobaki na batu ke. Soki o tindi bi loko, il faut eba ke moi transport pe, il faut eza la. Parce que il faut to déplacer bi loko angote. Toko mati kuna e ko za la malam. Masolo na de pite, mais avant que to décortique, na lingina nou to sambel. Tata Nzambe, biso banana yo, ma jeune kabiliste. Te botika mokondi ya mboka na biso Félix, Tshisekedi na maboko na yo. Oza na kati na ye. On a appelé ye ke akomi président pour la constitution. On a appelé ye ke muto za na droit ya kovele constitution azate. On a appelé ye Nzambe, s'il te plaît, ke Congo ba batu ba kufi mingi. Et à travers hier, par tout bas, pour aller sous terre. Dame, dans ma position là, pour avoir la décision, aïe, la RTNC a annoncé la population, dame, par le côté qui a été. Ça va la carte, il y a, pour qu'on y a sa coloba, et dans la conforme, on a mis mettre, oh, il y a un peu de sa vie, la vie sur la motivation de la constitution, dame. S'il te plaît, Seigneur, au nom, il y a amour, il y a mort à eux, le petit président, il y a mort pour l'aïe, dame. Quand il y a un conseil, il y a un conseil.
Voilà, merci beaucoup. Nzambe Nzambe ya simbi mutema ya chef de l'État. Nzambe hein? Nzambe sek eloko na sepelaka nango ezatangu meme nazomona mwana mboka Ramazan Chadari yemoko petangu batu wana bazo sambela yemoko azosala kaka mutubo kozala malamu. Les lois tu vas sentir que toute autorité vient de Dieu. Ndenge baloba. Samanduki ezandengwa. Les lois tu vas dire loba. Et loko na yoki mutuma kwa lobi wana ke. Comment chef de l'État, un ancien chef de l'État qu'on s'est déplacé na un général là ke papa. Liboso Kabila zalaki ko senga autorisation na nani pona bima. Les lois comme ko senga autorisation. Même na kati ndaku ceux qui bovandi papa na mama. Nabana. Nanaza sensé ko senga autorisation ya kobima. Quelque part là c'est quand même compliqué. Yangona kolo babande konanga. La politique to lukandenga nini ya ko sala politique autrement. Batu ba fonda politique sur makambo ko swana ko finga ba mususu ko diaboliser ba mususu. Mais on doit faire les choses autrement. On peut faire une base, on peut faire les succès sans faire de polémiques. Sans faire de polémiques. C'est possible. Je dois vous avouer que chaque matin, ngaiti nangaya na melaka na tongo nyoso ezabatu wana ninge bozomona. Yango bomoni en tout cas ayeko bimela biso. Voilà. Et ça pour n'abord qui tisse moi mon thème, tokene to solo là. Tozo solo là bande konangai. Ambassadeur Luca ya Italie bayaki kozwaye. Avion ya ba italien ye kozwaye a partir ya Goma ba memiye. Mbangu pona ko récupérer ndebo emboka ezalaka.
Mais le kona koloba, c'est que nous pouvons aussi tirer comme leçon. Lobina loba ki mingi sur le dossier. Par rapport à la sécurité, par rapport à comment vous devez respecter bateau, bazo, assurer sécurité nabino. Comment vous devez aussi considérer les chauffeurs. Baoba kumba kabino. Parce que ce qui est vieux et kozoye. Inonsa mouyi. Er moko makambo sa la gaya e bakate. Azandengwana. Mbongo mbongo te. Azandengwana. Mais il y a un autre aspect. L'avion descendu tout de suite chercher l'ambassadeur. Mais ce qui est à la Kayambo Kanabiso Tolinga et Toba Nakobele, Ebembe ambassadeur de pied Kangama, Ebembe ambassadeur de pied Kangama, Ezana Morgue, Bande Konangai, nous ferons de ces pays ce que nous voulons qu'il soit. Les lobes diplomates Nabiso sont en place dans le Tambo là. Nabambo Kebele, Banyongwa Bandako et Pai, Bango Bafuta Kate. Parce que tant que vous avez fait à le côté, mais vous avez dit ça, 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 on doit changer l'image. On doit redorer l'image de la vie. À l'intérieur comme à l'extérieur. Les gens qui ont dit que vous avez 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 a kolia ndengeni na ko vivre ndengeni tous ces services là a kozwa bango en charge ndengeni ya biso ba ambassade ko yo ka mukemu ke basi ba boti bisaka libanda c'est ridicule. L'autre fois na tiai bino nde komo ko na zolo ba kenazo la la libanda au. Il faut une complémentarité na transparence dans ce que nous faisons. Ce qui gouvernement va sali quelque chose bino pe bisika bozali il faut ba to ba sentir que ba sali quelque chose. Nous allons nous battre tozo bunda pour que ba tiai bino na ba condition. Parce que c'est un miroir, la diaspora. Miroir et un beau cannabis. Les linges sales se lavent en famille. Ou en assez, ils apprennent à ma cannabis à inter. Mais vous n'allez pas prendre votre diplomatie. Et au moment où il y a Konzuluka, il y a modèle one. Bibembe Kangamaka. Pour un abattin d'un avion, 20 000 dollars. Et au moment où il y a ah, l'Italien a envoyé l'avion. Ça n'a pas fait quelques minutes. Va récupérer. Moutou n'a pas envoyé. Laissons. Yango, chef de l'État a décidé. Aucun ambassadeur, aucun diplomate, a coûté qu'on sale le déplacement sans demander l'autorisation. Parce que tant que vous avez autorisation, tant que vous avez informé, et vous permettre à la disposition sécuritaire, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez voilà ce qui est arrivé. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez na lo bakana bino biso culture na biso na ya mundele ekeseni mundele socho tuni mutu botala biloko a mikemi ke c'est pourquoi nous devons voir les lois adaptées na ba réalité na biso botika di copier coller oh en France on ne fait pas ça oh en Europe oh, aux États-Unis oui certains points d'accord mais aba mususu toko tozoko kanate sur le plan culturel les lois viennent répondre à un besoin je l'avais dit dans l'hémicycle le jour que j'intervenais. On ne vote pas la loi pour les autres. La loi vient répondre à un besoin. La loi vient protéger une valeur, selon Akel Adaou. Quelle est la valeur à protéger dans cette communauté-là? Mais biso tozo kendeka kana makamu, toke na makamu, toke awa, toke awa. Non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Yango bozo mona ne to zabo, to na mundele. Qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé du poisson, monsieur. Qu'est-ce que j'ai mangé du poulet, monsieur. C'est quoi tout le Congolais, au lieu de n'aller foufou. Oh, yo, ma go, ma bengi accompagnement. Et pas de bichos avec accompagnement, t'es. Hein? C'est quoi autour de l'olé foufou, nani? N'aller foufou, na fumboa. Na soso. Mondele, ce qui est autour de l'olé. Qu'est-ce que tu vas manger, monsieur? Je vais manger quoi? Côtelette de porc, monsieur. Quel accompagnement? Les riz. Donc, oh bango bazo benga accompagnement wana. Bisonde tozo benga biloko. Nde accompagnement epan. Tozana même culture te. Tozana même culture te. Tokendaka donc. Ce que tali makambo ebele. Bisondenge to mona kamakambo. Zandenge bango ba mona kamakambo te. Na kope sabino ba exemple awa. Isaïbili. Yango bokomona. Chaque fois que nous essayons d'évoluer, biso na culture na biso,
bakoko na biso basala munduki ya koboma nyama pour attraper les gibier. Basala munduki te ya kokende koboma batu. Ya biso eza ya gibier, ok? Obomi nyama, osali boye, ainsi de suite. Mais mundela sali munduki ya koboma mutu. Tozana même culture te. Ya ya zo sala, nyama wana cha metriza yangwa ebike maona kokanga ye même na maboko na kosala boye. Ye munduki ya zo sala, destinateur, nzoto ya mutu. Munduki ya mundele, destinateur, nzoto ya mutu. Mutu mwindu, même soki asali flèche na ye. Flèche wana, azake na zamba ye. Ay, abetia ngo nyama, aye batubali. On n'a pas la même culture. Voilà pourquoi on ne doit pas tout copier. On ne peut pas tout copier. Ma solo. Chef de la brigade criminelle, qu'on a la police judiciaire à Kangami, et à Zana garde à vue, qu'au Kangami Zana Lingala. Mais c'est Pierre Massoudi, Balobi a escroqué par Indien 150 000 dollars. Toi qui est intervenir à partir ici à Azalike, va piéger et pas ma collaborateur naïe. Azo comprendre te pour nini azawan. Mais quand même, bino justice, vous êtes injuste ndenge bozawa. Diomi Dongala intervenant à partir à prison na RFI à mona makambu naïe. Mais oyo bakangi biso tangu bazaki kozwa biso, tu n'as pas droit d'avoir un téléphone, mais attendez. Surtout na parke ozana na parke. Parce que Zakuna, sur demande à procureur général, procureur Mumba. Mais il intervient dans les médias pour se justifier. Pourquoi des poids des mesures? Même à partir de la police, au cause de la téléphone, il y a une prison. Il y a une téléphone. Et on était les prisonniers les plus surveillés. Olazana parquet, Azali qui intervenir dans les médias, on m'a fait ceci, on m'a fait. Vous n'allez pas être si égoïste. Bino bato à justice, oui. Ah, toujours plaider cause na bino. Pour que vous allez bien. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Il faut battre bino dans la condition, madame. Moi, j'ai toujours été contre la condition bino vous allez. N'est-ce pas le bagina? N'est-ce pas le zéro zéro bela ba miyibiwana? Parce que bango a zokamon pona ni babongi sakate. Na lobi, c'est l'État qui organise et non le contraire. Exemple, biso toujours pesa. Toza awa en Assemblée nationale. Toza na bureau définitif, ya honorable Mboso. Ezayeta ye azimbongo na ye ndaku akeko bongis. On est en train d'arranger le bureau bien que honorable Mabunda azalaki wa. Ezala ya ya Jean-Marc, ezala nini. Nyonso bako bongisa ba bureau. Vous n'allez pas demander à quelqu'un de tozo mona ba magistrat awa. Ame makiti na ye ya ndaku, moketi na ye ya ndaku, rideau na ye ye moko. Télévision na ye yemoko, ce qui a zana posé comment, ce qui a moni, comment ventilateur, ce qui a zana possibilité, atiwana, nos magistrats travaillent dans des conditions bizarres et nous devons les dénoncer. C'est pas bon. Ba juge na biso ba, ba za exposé à la corruption, pourquoi? Je vous ai dit, bureau ya un avocat général, okoti ba tumi ba le ba koko tate a finani boy. Alors, il y a un peu de zéro, il y a ah. Il y a tant de zéro, il y a un peu de zéro, l'État, je donne l'exemple de chez nous. Si tout le monde est comme il y a que, nani, il y a un poison, il n'y a plus de confiance, il y a un poison, il y a un split. Même un split, il y a un peu de zéro. Ceux qui ont une langue, il y a un peu de zéro. Il y a un peu de zéro. Tout est suspect. Poignet, suspect. To komi ko vivre na stress moko ko sakanete. Yango na koloba. Chez nous à l'Assemblée, c'est ce qu'on fait, on arrange les bureaux. Vous n'allez pas bonhomme ba magistrat. Mituka boyebi mbula bo pesate, mituka ya komi ba prisonnier, il faut ba loi ka ba ketch ainsi de suite, c'est pas possible. On doit doter bande konabi so wana na moyen de déplacement. To installer ka bango bien, ba pesa biso biloko. Les Congolais sont capables de mien faire ce qui botier bango na ba condition à madame. L'inspection générale des finances, le lobamiti exista bien sûr depuis kala. Et lobami parce que batier batouana dans de bonnes conditions. J'ai toujours plaidé le cas aussi à batoua deuxième. C'est le premier service de l'État. Oui, la kisi batouke, ezwa ki risque ya koyib sa batouke makambo changer. Débat salema. C'est la DGM qui a tapé sur la table.
point, le point sur la table. Balobi, Tozana, deux familles présidentielles. Pendant que tout ce temps, disait non, il faut reconnaître ainsi de suite. La DGM, le SACO, Direction Générale de Migration. Ngaï, oui, c'est bien moi qui critiquer Batouane. La condition bango ba travayaka na eloko ba sali na mboka oyo, pourquoi ne pas les reconnaître? Botika mutema mabe, botika mutema mabe. Quand il y avait le débat, il y a pour reconnaître deux familles présidentielles, DGM s'était opposé et à l'ANER et à tous les services et à tous les services de sécurité. Kashwanta le wananga na ebite nzambe kaka ndem to abatela kabat. Sinon, Mbela s'est accouffé parce que n'y a pas de choses. Moi, je suis en train d'habiter. A Télémeli, il n'y a pas de famille présidentielle. Il y a un seul chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a une seule distinguée première dame, Denise Tshisekedi Nyakeru. C'est ça. A Soukiwana, donc, il y a une minorité qui est convaincue. Dans mon film, au prof, il y a Raoul Kengekenga, il y a un peu de tout analysé, il y a 12 hommes en colère. Oui, c'est 12 hommes en colère. Namoni, comment oyo la DGM qui était minoritaire. Bazakika diona bango basalawan, monsieur Papi, il était à l'aéroport là-bas. Je y ai visité l'aéroport et puis il a commis des GIA. L'air diona basali tout. Papi Mboui, Azara. Basali tout, basali tout. Donc, un contre tous. Bango Bazakona, deuxième minorisé. Balobi jamais. Bango, oh, Wanaza sénateur à vie. Oh, Azara qui première dame Azali Souste. Batoumiso Balingi Batanda. De tapis rouge. Batandi na Kingakati, Batandi Koto. C'est la deuxième, il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Service à l'État, on a des bandas, bande konangai. Ça ne coûte rien quelqu'un de reconnaître le mérite à Batoumissous. Ah, nous reconnaissons. Et ce que j'ai dit là est vrai, place et Moutounio soit allé à Yébi. Il faut mettre les Congolais dans de bonnes conditions. Si qu'elle a une indépendance, n'a pas la qui sait de quoi il est capable. Après, le service Moussoubadou. Vu la lingue, tu as eu un. Direction générale et à finance. Nabosana dit que Sabino qui les lundi matin tapon yon mapon. Azali attendu. Nenge toko loba ao. Ce qui n'a silis na kenanukun. Lobby toko zonge la sec a été le dossier matata. Kuna na parke. Toko pe Sabino ba moi détail. Ya le tout premier rendez-vous. Est-ce qu'ayaki? Est-ce qu'ayaki te? Ayaki, nini leki. Ce qui a quitté pour Nani, moi ma solo. Ça qui ne voyait pas de chien. Tant que tu as nommé, le lot lobby, tu as bien dit que tu étais CPI. Mais qu'il y a un CPI en Gouan. Dans quelles conditions les magistrats sont en train de travailler? Nous devons honorer les autres. On ne doit pas se limiter à dénomination seulement. Il faut que ça suive. Mettez les Congolais dans les bonnes conditions, Kozala Malam. Masolo n'a de pité. Pierre Massoud et Zakuna, tu as évité comment ça va se passer. Mais le problème n'a pas été que la situation n'a pas été. Et là, on va bien droit, mesure aggravante la situation. Mesure aggravante. Parce qu'il y a eu au sali. C'est plus grave. Masolo n'a de pité. Tokota là comment ça va se passer, mais jusque là, Azali cojouir la présomption d'innocence. Dans le Bakanabino, l'acte de naissance et à crime, c'est le jugement. Tant que les juges n'ont pas encore, ne se sont pas encore prononcés là-dessus, donc, nous sommes à Koloba. Ils ont le kouta, ils ont le sol, ils ont le kouta, ils ont le sol, ils ont balancé Nengwan, Masolo. Bati Lukwe, unique candidat na Sénat. Bati, et le kouye opposé, Nabandeko naemi susu ya FCC ezala ki poste wan. Na plan de Dieu et l'Obama tika que un jour ba cha kozo. Yango moni lelo terrain polele a kozo poste wan na pete. La même chose na Gabriel Kyungu akumwanza.
apostolat ba comprena été akoi après ayo kozwa na pete ya yo ezaka ya yo tika ko s'agiter mutu soje lo kweza ya yo oko s'agiter te pourquoi tu t'agites. José Ndundu candidat deuxième vice président batu bazai belé kuna les trois on aura notre nouveau bureau Yassena avec espoir que Bakolata même varise que les chefs de l'État tokolo batrote. Fini makambuya que voilà on va corriger ce que les chefs de l'État fait. On va corriger les irrégularités. Les donneurs de leçons Tambwe Mwamba garage, Janine Mabunda garage, Ilunga Ilukamba garage, place Bazali. Omani makambu bazaji ko ebisa bino. Est-ce qu'on va nous intimider? On ne peut pas nous intimider. Ouais. Est-ce qu'on va nous intimider? On ne peut pas nous intimider. Ouais. C'est pas possible. Bah donneur de leçons à ma petit garage. Et là quoi tikali? Et ça y a que prophétie à Tchalamoana et ça. Quelle est la prophétie de Tchalamoana? Mukolo okolia ligorodo yango makwanze kobimate. Oyo batu ba sala sala. Félix Aloba, il ne va pas fouiner dans le passé. Mais appétit cette institution va fouiner dans le passé parce qu'il y a indépendance, il y a séparation, il y a pouvoir. Pouvoir judiciaire. Que justice soit faite. Oui, justice doit être faite. Mais pas n'importe comment. Moi qui vous parle, j'ai mille et une raisons de me venger sur tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Et je ne vais pas, si je commence à le faire, commencer simplement avec nos amis du FCC. Dans ce cas, je dois reculer jusqu'aux années du régime du maréchal Mobutu. Mais maintenant, je me pose la question de savoir si je me lance dans une telle entreprise, est-ce que je pourrais servir encore le Congo et les Congolais? Est-ce que j'aurai encore le temps de prêcher l'amour et l'unité? Je ne crois pas. Voilà pourquoi j'ai dit, je vais renforcer les pouvoirs de la justice. Je vais renforcer l'état de droit. Pour que la justice elle-même puisse s'occuper de ses concitoyens, du présent comme du passé de notre pays. J'avais dit à Bruxelles qu'on ne fasse pas de moi un dictateur. Je ne suis pas venu pour régler des comptes personnels. Je suis une institution, je suis le président de tous les Congolais, bons et mauvais. Et donc, il faut laisser aux institutions le soin de régler les problèmes du Congo. Nous voulons, et je pense que nous instaurons un jour, un tribunal pénal pour les crimes commis au Congo. Et ce tribunal sera institué au Congo. Pas à La Haye, pas ailleurs, mais au Congo. Et pour cela, nous avons besoin de renforcer les capacités de notre justice. Yango komona mikolo tambo liye ba place au kotia lokolo. Tozali susu na tante ya muto akeya zimbongo, il devient riche, muto akosimba ya zate. Mukolo kolia li. Yo sala kope na batu. Batu wana zo sala na bango kope. Batika ka signature te. Oyo finika ka bango bake. Yo fini bango. Batu ebele bazu ba problème na FPI. Bazo ba problème pona nini? Mbongo bakenda ko defa, bazo ka mbongo ya mibimbate. Balobina yo, bon si tu veux 50% 50%. Yo signé otiki buku alupangu kuna. Mais oyo pese a signé te. Oko justifier te ko banda ko lobana zo ka nyonso te mutu akonimela. Il n'y a pas de preuve. Preuve zakake, yo zo mbongo. Est-ce que tu zo yo ka? Mboka na biso moko.
mukolokolia ligoro. Oke kuna, oke okoti nyongo. Boyokani na mutu 50%, soki 30%. Oyo zo pesa ye yako sinyete. Mutu atiki gaje za yo mutu tiki mikana na yo lupangu. Era kofuta yo moko kotelema. Yo moko kotelema. Ata komisyon. Ata soki oza, bazozo nisa mutu makila, mutu alinya kufa. Ozo kende koza na ba kondisyon anandenge nini. Bako kosa yo ezambongo aleta, d'ailleurs. Ezambongo aleta, bako boto lo lupangu, bako teka yangu. Nebisa kabino, je vous disais toujours conseillé. Mi kolonion soeur moko, ah, azolo ba petro, azolo ba petro. Ok, azolo ba petro. Bako sa yo teke, ezambongo aleta, problème ezate. Bango bazui ya bango, signature ezate, bazui ba fini wana, yo tika likon. Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes en 2012. Il y a quelqu'un qui m'invite. Une autorité na ke kotala e nazati kolinga kutu te kokutana na e mais insister na le problème na ke tamo na ke kokutana na e to sololi na simanango na bimi ape singa enveloppe a le bizwa tsa carbira boye bien enveloppe ezaki combien ezaki $2,000 tamo sko ape singa mbongo wana Nabimi, si kwa mtu na yewe atinda kake ndeko lukangaye, abite toka bola karbira wana, abite, toka bola si kwa ndenge nini, alobi katikati, ok, na $2,000 na pesi, na $2,000 na jena posi, na kei, mtu wana zwaka nimero nanga, pesa kanga nimero na ye, akomiko benga nga na zwe yambate, akomiko benga, ayichulize mtu msuswa yeko mwana nga, ndenge nini ndeko elezera zo mwana na te depi akendaki, nalobi papa, D'abord, na mutu na yuane, un jour, on peut être là quand mutu disolo que on peut sacrer les airs $2,000 parce que j'en ai moi. Il y a pas de secret. Ils ont qui a servi sur mon côté au Sénégal pour que corrompre nga. Je ne voyais rien de danger là-bas. Oui, na vie bon wa. Mais yo vani na batuwa na musala na bango ba commissionnaire. Na vie na pesi na koya kuna visusute na loba na ende wa. Tous à la capende wa. Yango bokomona quand vous regardez autour ya mokonzi. Bazo senga mbongo même à 1 mètre ya mokonzi, c'est un danger, il faut éviter. Si tout bateau va kosale la cabine ba sécurité, boti paka bango bien. Eza soni ba yekota la mokonzi, mutu ba komi ko tima biro ya mokonzi parce que bato bazakuna bisenga senga eleki. Na lobi boyi. Eza soni ya ke bato ba komi ko tima Biro ya mokonzi, azota la ngana zana mongo te na koleka kuna te, on va ma merde. Mutu akota kuta na mokonzi na yo ko pese lo kote, abimi libanda bazo lata mutu. C'est pas possible. Ce sont des pratiques qu'il faut éviter. Masolo na depite. Sama Lukonde azo continue ko yamba bato. Lobi ayambi avenir na pius mwabi. Ayambi ensemble. Ya Moïse Katumbi chap. Ayambi batu ya MLC. Objectif ezako luka banani bakoti ko constituer le prochain gouvernement. Et biso tozali ka ko pesa conseil moko. Ba o ba kozala kuna ba répondre quand même na tante ya peuple congolais. S'ils ne seront pas en harmonie avec le peuple. Bande konanga, ba tuana ba ko travailler malamu te. Ba o ba za en harmonie ba za na obligation de devabilité. So ke za yangote. OK. Biso toza kuna te, nene tozo lo babo, yepe lieze razo lo. Bo yebi baka mwisa kinga. Tamu kaka na lobili kambu ya Marcelin Bilomba. Mutu moko alobi, Marcelin komi kosa la kampanye na ye. Kampanye kosa la ngwe panani, epa nga itambu. Ou bien moi je vois les dangers bolingina lobate. Bolingina tanga kombo ya kandida na binwa. Il faut éviter ya kosa la nabato. Botuna Marcelin, asakutana na mesetambwe bo nga.
azana numéro nanga ngana azana numéro na e. On ne doit pas reconnaître ba compétence ya mutu biso de zomona ke mutu wana pe mieux faire pe aider la république, pas aider les chefs de l'État. J'ai dit aider la république. Peut être utile à la République. Allez, bino bovani bozo salaka ba commission, bozo salaka ba commission. Moko a eu le courage de dire que Eliezer wana to komona nzela ko lekel. OK. Eliezer wana, tu me vois là, moi tambwe là, baisser ma culotte parce que yo lobi ndengwana. Yo nzambe kaka kendet. Toko tala nzela ko lekel. Bwana kanza. Hein papa, bozana kanza. Hein? Bozana kanza. Et les erreurs wana boko tokota la nzela koleke. J'ai même entendu quelqu'un. Oui, j'ai appelé. Il m'a appelé, je n'ai pas décroché. Vous pensez que tout ce que vous dites, oh ango bozaki koloba. Nga nazaki na binote, vous pensiez que bozabi na bino. Comment j'ai su ça? Na bien ngone ni. Bozamuke. Bozamuke. J'ai dit ceci pour le ministère à finance. Votre candidat aux osales la lobbying et pas chef de l'État. Ezayete. Ezayete. Botika. Vous voulez nous mettre en difficulté. Et on va. Bisot aux agabatou ya soutien à Félix Etan. La victoire à Félix Ezabison est aux anakati. On te doit accompagner chef de l'État. Ngata mozomo na ngamu ya accompagner chef de l'État. Nous servons la République au même titre que les chefs de l'État. C'est ça notre vision. C'est ça notre façon de voir les choses. Tant que tu as la politique autrement, les gens ne comprennent pas. Tu as pensé à Batou. Tu as Simanayo. Nous servons la République. Les chefs de l'État servent la République. Na prérogative na ye. Et nous aussi, nous servons la République. Mais dans la même vision avec les chefs de l'État. Boké kuna bozo salaka ba commission mikolo ba dossier bazo yaka bazo tikela bino bazo yaka bazo tikela bino na koya koloba na place bozali na koya mbela ba dossier na place bozali ko sala tokota le Eliezer wana place a koleke na lobi boy Marcelin Bilomba mérite koza la ministre à finance. Ça c'est monsieur Tambo qui demande, ce qui chef de l'État ko yokelanga ce qui a ko yokela bino lokola boza ba tout puissant boza ba katumba mwanke problème ezate. Mais le chef de l'État à l'époque, Joseph Kabila, Azaki n'a pas tout wan. Azaki n'a pas tout kaka nenge bozali wan. Et combien de personnes qui lui disaient des choses? Banani bazaki koloba vérité. Nenge tozoloba awa. Tokoti Kabila bozo sala ba commission bokoma ba tout puissant Eliezer wana tokota nzela kolege. Ngana na problème. Nazana posa kolega pe na nzela wana te. Je suis député national nga. Et puis nazamo na mukolo lupangu. Oyo kotikala ka kozala te. Na lobi boya papa. Ngai naza mwana mukolo lupangu. Naza député oui, député stagiaire, un simple monsieur villageois. Mais naza mwana mukolo lupangu. Oyo kotikala ka kozala te. C'est ça, monsieur Tambo. Ba commission bandi, monsieur le premier ministre, aux osa la consultation. Monsieur le président de la République, biso to mona ko kana télévision. Ce que ko yeke langai e ko zala malam. Commission eleki. Ba dossier ba ko zwa kango de gauche à droite. Ils sont en train de promettre les gens de poste. Et le gouvernement là et ko risque za la catastrophique. Monsieur Tambo a parlé. Na lo ba ka pambate. Tango na zolo ba. Na zolo ba parce que je vois. Oui, Nazom, on a plus clair. Nazom, on a plus clair, j'ai dit. Oh, il va combiner, il va banin. Et qui va dire quoi? L'air est au bilan, que ce soit pour les membres du cabinet, à chef de l'État, que ce soit pour les membres du gouvernement. L'air est au bilan, Moutoualoba, qu'est-ce qu'il a fait? On ne change pas l'équipe qui gagne. Mais l'équipe qui ne gagne pas, on la change. Et j'apprends ma permutation. Bah, Kolongola, oh, comme ça, bah, nommé, y'a qu'on a. Donc, bisous, y'a qu'on tique à Batou, moko, moko, voilà.
Allez, bolongo lié awa, ça le côté. Allez, vous récompensez, vous pèsez place moussous. Les autres, toujours sur les bancs de touche. Et vos hommes en normal. Nous apprenons ça. Quelques personnes qui sont à la présidence là, pas continuer à bango, pas mandataire, pas continuer à bango, pas ministre. Bisso totali bino kaka. Toko bundi sabino. Awa, toko bimisa bilo quoi. Toko bimisa mandou ki moko. Yako saganate. Moutso tia salaji quelque chose, oui. Ça se comprendra encore. Et non, moutou, batou baza la loko là, bakanga batou na batisi, bango ale o déplacé, awa, azakuna, bisso to. To banda ko justifié bouzoba ya batou. Na suki si wan. Pona dossier wan. Na ligne avant na zo dossier ya mama yemo pona ko tiela bino juste un extrait parce que na zo kata. Pona zo kabilo kwa. To comme na mboka moko les gens sont distraits. Même là où il faut sauver la vie, bazo sauver te. Sont distraits. Tal accident yango ne salemi na ndila ka sombale ça. Je vais illustrer cette histoire là. Bozo mon. On est à sauver bato bakangami kuna. Bato bazo filmer, bazo filmer, bazo filmer. Sauver d'abord la vie des gens. Vidéo ngo soki otindeli biso ke bato bakufi après. Sauver bato. Et c'est comme ça que nous trouvons bande konangai. Nous sommes prêts à observer, à filmer à kobimisa libanda, mais on n'est pas prêt à sauver des vies. Mais comment on va sauver des vies? C'est avec les gens capables de sauver. Voilà le gouvernement que nous attendons. Le lot, ça commence à aller dans tous les sens. Joël Kadem Nanga, na moni nenge baswana ki na kulutu na biso djana. Babimi na plateau na débat. Débat et longue débat d'idées. Boyoka, nenge bazo swana. Je n'ai pas décidé d'être Moulouba, monsieur. Je n'ai pas décidé. La haine va te tuer. Tu ne vas pas faire une année avec la haine. La haine va t'avilir. Vous êtes. Prenez tous les communicateurs que vous êtes. Vous êtes combien de Moulouba? Parmi les communicateurs de ce pouvoir. Moi, je ne suis pas frère d'Exégué, monsieur. Moulouba, c'est frère d'Exégué. Non. T'es la Moussouba. T'es la Moussouba. Moussouba, c'est toi le Moussouba. Vous êtes Zouba. Vous êtes Zouba. Toi, tu as quelle idéologie? Zouba, papa. À part le fait qu'il est très cassé, tu as quelle idéologie? Moi, quelle idéologie? Toi, tu as quelle idéologie, toi? Tu connais même pas l'idéologie de lui de Pesse. Moi, je ne suis pas de lui de Pesse, monsieur. Mais tu les défends. Moi, je ne suis pas de lui de Pesse. Tu les défends parce que Moulouba. Moi, je ne suis pas de lui de Pesse. Alors, tu ne connais la pas. La haine va te tuer. De toutes les façons. Je le dis, la haine va te tuer. Mais tu vas vous êtes organisé en tribaliste et vous ne voulez pas qu'on vous dénonce. Vous êtes la Kabila. Vous êtes la Kabila. Tout est organisé. Vous êtes organisé en Balouba. Mais quand on vous dénonce, c'est tribalisme. Tu es vraiment un imbécile. Papa Soba. Papa Soba. Tu es un vrai imbécile. Tu te montres que tu es un imbécile. Mais c'est toi qui travailles pour Félix, qu'il te donne quoi? Qu'est-ce que tu as? Je travaille pas pour Félix, toi tu travailles pour Kabila. Kabila ne t'a donné 30 000 dollars qu'elle a fait. Mais c'est, moi je ne cherche pas Marie, ça réussit, c'est vous. En deux ans, vous êtes enrichi. Je vais enrichir. Je vais enrichir. Je vais enrichir. Non, je vais enrichir. Colonel, je vais enrichir. Voilà. Et c'est ça. C'est ça l'élite intellectuelle. Les lois viennent en gaza wana koyemba koyemba. Yewa na zo landa bat. Tangwa zo landa wana zo landa Joël Kadé. Bon. Et vous trouvez d'ailleurs qu'il est instable. Dès que Joël wana dès que Assaline tatini kebu, abambani to meminga mbuti. Na souci bazana ngo ya départ ya Kabila. Nandenga yembela ki Kabila. Et loko peza te. Ye ba leva ba option na bango ndengwana. Ye vie na biso wana jana. Bazala ki jana. Bazala ki a role de badi banga. Bien ke wana na moni neti a change na vie na biso plus mwabi. Jana a role de badi banga. John Lungila
oh molisho so ki molisho tomoni mususunani baza so ki combien yes. Eh oyo bakanga ki oyo akeko senga pardon na puela akeko koma na komeka kali susu te bomona ka pa prison lokola masekia. Vous devez respecter les gens qui ont commencé le combat. Vous devez le respecter. Bon, on a biso nenge toyokana. Un combattant au koti au keko senga pardon ya pamba parce que bazaji ko kanisa biso pamba. Mais to vomir yo. Bayeba ka elombe na kokota na prison te. Bayeba ke lombe na kokanga mate. Bayeba ka elombe mkolo akobima na sima kokanga. Comment il s'est comporté? Est-ce qu'il n'a pas cédé en prison? Tout le monde a battu kokota na prison a bake ba négocier na bango ba bimi bazui ba posta. Est-ce qu'il ne s'est pas vendu? Voilà. Théâtre wana to komi comment on a ba diane. Yango ba moni ba débat. Faut que ta la quel débat partir. Je parle chez monsieur Tambwe. J'aime ce qu'il dit. Dossier à mama yemo. Lobby ezala ki makamu to ko tiela bino extrêmement moke parce que mo bimba nango boko zo ango a côté. Amos Lubaki akotie la biso mo intervention ya secrétaire général du cadre juridique relatif à la création, organisation et fonctionnement de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa. L'hôpital provincial général de référence de Kinshasa a été créé par décret numéro 075-2002 du 27 juin 2002 portant dissolution d'un établissement public dénommé Hôpital Mama Yemo, en abrégé HMY. L'article 4 de ce décret dispose que le patrimoine et le personnel du dit établissement sont affectés au ministère de la Santé publique pour les services publics dénommés Hôpital provincial général de référence pour la ville de Kinshasa. Ainsi dénommé et conformément aux recommandations de l'état des lieux du secteur de la santé de 1998 pour faire ressortir sa place des structures de référence provinciale dans les systèmes de santé au niveau de la ville de Kinshasa, étant donné que le système national de santé prévoit un hôpital provincial ou des références secondaires par province. C'est en exécution de ce décret, voire son article 6, que le ministre de la Santé publique prendra un arrêté ministériel référencé numéro 1250 CAB MIN bar S bar BYY bar 023 MSC bar 2006 du 29 août 2006 portant statut et organisation d'un établissement public des soins dénommé Hôpital provincial de référence de Kinshasa tel que publié dans le journal officiel du 1er septembre 2006. Fonctionnement de l'hôpital général, l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa est assuré par les structures suivantes. Comité de gestion, un conseil de gestion, un comité de direction, un comité de département et un conseil de département. En son article 15, cet arrêté stipule que la gestion journalière de l'hôpital est assurée par le médecin directeur, secondé par les différentes directions ci-après. Direction administrative et financière, direction médicale, direction de nursing, direction de la pharmacie et les comités des départements. L'alinéa 2 de cet article stipule que les directeurs de l'hôpital sont nommés par l'autorité de tutelle. Cette autorité de tutelle est précisée à l'article 1er du dit arrêté. Il s'agit du ministère ayant la santé dans ses attributions. En outre,
Le décret précité investit le ministre de la Santé publique du pouvoir de l'exécution du dit décret. De l'analyse des bases légales attribuant les compétences d'affectation des membres du conseil de gestion et comité de gestion de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa, la constitution de 2006, telle que modifiée à ce jour, fixe à son article 203.10 l'engagement du personnel médical et agricole des commandements comme matière relevant de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces. Par ailleurs, la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, investit les ministres ayant la santé dans ses attributions du pouvoir de fixer les niveaux de compétences, l'organisation et le fonctionnement des établissements de soins de santé ainsi que les normes relatives à l'implantation, à la construction et au type d'infrastructures, équipements et matériels médico-sanitaires. Voir article 13, alinéa 4, voire bien sûr article 13, alinéa 4. Ainsi, par arrêté ministériel 04-004-1250-CAB-MIN-SP-2016 du 21 avril 2016, portant reclassement des hôpitaux nationaux et des hôpitaux provinciaux de la RDC, l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa est classé comme hôpital national ou de référence tertiaire. Voir l'article 2 de cet arrêté. Cet hôpital relève donc du niveau central. Conclusion. Il ressort de l'analyse ci-dessus que le gouverneur de la ville de Kinshasa n'est pas habilité à désigner un comité de direction de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa, étant donné que cette structure n'a pas été créée par la province, mais par le pouvoir central. Cependant, il se dégage la nécessité d'organiser une concertation entre le ministre de la Santé et le gouverneur de la ville de Kinshasa pour la désignation des membres du comité de direction de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa, et ce, en application des dispositions de l'article 203.10 de la Constitution de la République. Voilà, honorables, mesdames et messieurs, un document de base qui devra nous servir de discussion au cours de cette séance que nous estimons très importante. Intervention et avocat et conseiller juridique et ministre Teni. Je ne voudrais pas faire de redite. Le secrétaire général a touché quelques éléments que j'avais prévus pour mon intervention. Mais je vais tout simplement faire quelques points d'emphase sur quelques dispositions. Honorable, le nombre de textes, les textes juridiques pris en rapport avec l'hôpital précité n'ouvrent aucune brèche, ne permettent aucunement de conclure que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a compétence pour pouvoir désigner les membres de l'équipe dirigeante de l'hôpital ex-Mamaïmo. Et pour cause, la ville de Kinshasa, parce que nous avons eu à échanger plusieurs fois, la ville de Kinshasa s'est toujours arc-boutée sur le décret numéro 75/2002 du 21 juin 2002 portant dissolution d'un établissement public dénommé Hôpital Mamaïmo pour justifier la compétence
du gouverneur. Et quel a toujours été le propos de la province? Pour la province, cet hôpital se rattache au gouverneur, où la désignation de ses animateurs sont du ressort des compétences du gouverneur, en se fondant, en considérant uniquement la dénomination. Et pour cela, la province a toujours arboré l'article 4 du dit décret, lequel dit « Le patrimoine et le personnel du dit établissement sont affectés au ministère de la Santé publique pour le service public dénommé Hôpital provincial général de référence pour la ville de Kinshasa. » Voilà l'argument que la ville a toujours considéré comme étant suffisant pour justifier la compétence du gouverneur sur l'hôpital Ex-Mamaïm. Mais le cabinet du ministre de la Santé a toujours dit qu'il n'en est rien du tout. Et pour cause, le statut d'une structure ne s'infère pas ou ne se déduit pas de la dénomination, laquelle, au demeurant, peut n'être que fantaisiste. Parce que déjà, quand on appelait cet hôpital Mamayemo, qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça voulait dire? Les statuts d'une structure, c'est défini en considérant le texte. Et lorsque l'on considère ce texte honorable, il est des informations qui permettent de dire, sans atermoiement, que, à n'en point douter, c'est le ministre de la Santé qui est compétent pour pouvoir désigner les animateurs de cette structure. Déjà, il est dit que c'est le ministre de la Santé, c'est-à-dire le personnel, et sont affectés au ministère de la Santé. On n'a pas dit à la province. Les personnels et les patrimoines sont affectés au ministère de la Santé publique. Ça, c'est dingue. Et lorsque l'on considère l'article 5, il y est dit que c'est le ministre de la Santé qui est chargé de l'exécution de ce décret qui entrait en vigueur à la date de sa signature. Donc, si le décret avait voulu que c'eût été le gouverneur, n'est-ce pas, qui eut compétence de désigner les animateurs, le décret aurait chargé celui-ci de l'exécution de son exécution, qui se trouve être le troisième niveau. Il est dit ceci: au regard de leur plateau technique, ces hôpitaux assurent les soins de référence de troisième niveau. Ça veut dire que lorsque déjà il est établi techniquement qu'une structure hospitalière administre ou assure le soin de santé de troisième niveau, on ne peut que la considérer comme étant un hôpital du niveau national. Il ne peut pas en être autrement. C'est ça qui est dit. Et explication à un directeur du cabinet, Yajantini Ngobilambaka. J'aimerais, avant d'entrer dans des considérations juridiques, répondre à toutes les questions qui ont été soulevées sur le plan juridique, les réfère à votre intention une petite historique du dossier. C'est comme vous l'avez pu constater que le 8 octobre 2020, le gouverneur avait pris un arrêté. Le gouverneur avait pris un arrêté nommant un médecin directeur et un directeur chef de staff. C'est le 8 octobre. Le 8 octobre. 2020. Il n'avait nommé que deux personnes dans ce comité-là. Un médecin directeur et un directeur chef de staff. Ça veut dire que les directeurs de NUSIM, les directeurs médical et les autres sont des postes qui sont restés sans être bougés. Donc les mêmes personnes qui étaient là continuent jusqu'à aujourd'hui. C'est un détail important, nous allons y revenir. Et ce comité a dû fonctionner à l'hôpital pendant un mois. Et c'est 2 mois plus tard que
le ministre de la Santé va prendre un arrêté nommant les 5 membres du comité directeur de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa. Le ministre, en nommant, il a écrit au gouverneur lui demandant de rapporter l'arrêté. Le gouverneur répond avec des arguments qu'il se considérait être compétent pour nommer comme il avait fait. Et toutes ces correspondances ont atteint le Premier ministre. Et c'est ainsi qu'une commission avait été mise en place par le Premier ministre. Et nous avons eu à assister à cette commission, toutes les deux parties, la ville et le ministère de la Santé, devant le Premier ministre. Mais avant que cette réunion ne soit tenue, le Premier ministre avait institué une autre commission, d'où nous sommes allés tous, moi-même qui vous parle, les conseillers juridiques, mon confrère Maître Ingangé, avait pris part. Le Premier ministre a écrit officiellement demandant au ministre de la Santé de rapporter son arrêté. Cette lettre existe. Je peux vous la produire. C'est à ce niveau-là que se trouvent les problèmes. Si le ministre de la Santé avait retiré son arrêté, il n'y aurait pas eu bicéphalisme. Je rentre maintenant dans les considérations juridiques. J'aimerais vraiment que vous puissiez noter que, avant que votre commission parlementaire ne s'investisse dans les dossiers, les gouvernements s'étaient investis également dans les dossiers. Et la dernière des solutions, c'était la lettre du Premier ministre demandant au ministre de la Santé de rapporter son arrêté. J'entre maintenant dans les considérations juridiques. Mais, honorable député, je crois que quand on doit lire les textes, on doit faire très très attention pour trouver l'interprétation et situer les textes dans son contexte. Nous ne devons pas oublier que la période de gestion de cet État congolais avant 2006 est différente d'après 2006. Parce qu'après, à l'année 2006, il y a eu promulgation de la Constitution. Et la loi sur la libre administration des provinces a été votée. C'est ainsi que nous nous versons dans les débats. Au lieu que ce soit l'article 203 de la Constitution, nous versons l'article 204 de la Constitution, point 10 et point 18. Honorables députés, nous allons vous en donner lecture bientôt. Mais que s'est-il passé? Mama Yembo, en tant qu'hôpital Mama Yembo, avait une nature. Et les interventions de quelques députés. Quelques références de la loi ont été évoquées ici. La sagesse a voulu que nous puissions rester dans un cadre restreint pour trouver une solution. Et si vous voulez aller dans le sens de la loi, oui, la loi existe. Même les juristes, ils disent qu'il y a des justes et coutumes. Le secrétaire général a fait mention de ça. Si nous devons aller dans ce sens-là, on va soulever la question de l'arrêté de Kabange. Moi, avant que je ne vienne à la réunion d'hier, j'ai appelé... Oui, je n'entre pas dans la polémique. J'ai appelé l'ancien ministre Félix Kabange pour débattre avec nous. Et en dehors de ça, j'ai eu à contacter le cabinet. Ce n'est pas pour rien que j'ai dit que
le docteur Yuma, ici présent, était avec Oli. Il y a eu un problème dans ce sens-là. Et le problème a été résolu. C'est entre humains que nous devons résoudre le problème. On fait mention, la loi des lois, c'est la Constitution. On fait mention de l'article 203 qui parle de la compétence qui doit mettre en concurrence. Et on parle de l'article 204. Que ce soit le conseil du ministre, que ce soit le directeur de cabinet, on fait mention de ces deux articles. Ici, nous ne sommes pas réunis pour chercher qui a raison, qui a tort. Ce n'est pas ça. Nous sommes réunis ici pour trouver une solution. Vous avez bien dit, docteur, que nous vous représentons. Mais acceptez quand même de nous écouter. Vous pensez que nous manquons quoi faire de rester ici hier? Nous avons passé toute la journée dans cette histoire. Aujourd'hui, nous revenons. C'est pour trouver une solution. Si vous dites que non, écoutez, on ne va pas reprendre, ça va traîner tant que ça va traîner. Mais les gens sont en train de mourir. Qu'est-ce que vous, docteur, expérimentez? Vous gagnerez dans la mort d'homme. Ce n'est pas possible. J'estime que, chers invités, si on vous a honoré en vous recevant ici, là où nous siégeons, c'est pour que nous puissions trouver une solution. Il ne faut pas que nous allions. On a même entendu que les gens étaient en train de s'insulter ici. Ce n'est pas possible. Là, ce n'est pas nous respecter. Quand vous envoyez quelqu'un pour vous représenter, vous devez quand même l'écouter. Nous avons estimé, après cet échange et les questions que nous avons posées, on a dit que la présidence est représentée, le ministre est représenté, l'administration est représentée, l'hôtel de ville est représenté. On reste, nous allons réfléchir pour voir ce qui va se passer, ce que nous allons trouver comme solution. Mais pourquoi vous voulez qu'on réponde que non, selon la loi, c'est tel comité qui a raison, c'est tel comité qui a tort? Est-ce que là, on aura résolu le problème? Et on ne va pas violer la loi. On n'a pas, on n'aura pas résolu le problème. Nous voulons prendre tout ce que vous avez dit pour trouver une solution à l'amiable. Leurs juristes eux-mêmes disent ceci: mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès, docteur. Nous souhaitons ça. Nous sommes entre Congolais. On va trouver une solution, ne vous en faites pas. Ce n'est pas M. Tambwe, ce n'est pas M. Chéribin, ou Kende, ou Kalonjou, Ados, ou Mme Charlotte, ou encore Kayumba, qui viendra occuper le poste du médecin directeur. D'ailleurs, moi, j'ai été humilié dans cet hôpital-là. Vous comprenez? On n'est pas là, cher docteur, apaisez-vous. Et ce que nous cherchons, nous avons toujours besoin de votre expertise parce que c'est vous qui travaillez là-bas. On ne doit pas prendre une décision qui va vous mettre à mal. Ce n'est pas ça. Alors, nous vous prions quand même de nous écouter. L'honorable président a souhaité que nous puissions rester avec le représentant du président de la République, le représentant du ministre, le représentant du gouverneur, ainsi que l'administration. On va trouver une solution. La grève ne sera levée que si on donnait la solution où on disait qui des deux comités avait raison. Est-ce qu'on peut aussi se permettre, ça c'est une question directe que je pose au docteur, est-ce qu'en tant que parlementaires, vos représentants, nous pouvons aussi nous permettre de dire à la population que s'il y a des morts là-bas, c'est à cause de vous, parce que vous insistez que la solution politique... Non, je pose une question. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Calmez-vous. Non. S'il vous plaît. Je dis bien ceci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez-nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur chef, s'il vous plaît. Quittez-vous, s'il vous plaît. Fâchez plus que nous, s'il vous plaît. Je reviens sur mes mots. S'il vous plaît, calmez-vous. 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 Nous vous respectons. Messieurs, s'il vous plaît. Nous vous respectons. Respectez-nous aussi. J'insiste sur ça. Donc, ne monte pas pensant que vous pouvez vous fâcher plus que nous. On vous respecte. Respectez-nous aussi. On l'a dit encore une fois de plus, nous sommes ici pour chercher des solutions. L'hôpital Mama Emo est un lieu sacré. Dernièrement, Babeta Kimasasi, Badoba Koufi. Hier, nous avons dit à Ngobila, Balobi Yonde Okangi Hôpital. Alobi que non, mon comité n'a pas l'effectivité du pouvoir. Aujourd'hui, c'est le comité, pardon, docteur qui ? Divengi. Le docteur Divengi qui gère l'hôpital Mama Emo.
Donc pour le gouverneur, il n'y a pas de problème. Pour le gouverneur, la police qui est là, la police militaire qui est là, c'est justement empêcher que désordre et salama. Parce que nomination à l'hôpital Mama Yemo. Nayango, to sengi na syndicat ya Mama Yemo Mobimba. Bafanda kimia parce que biso to zali ba yebasala ka mibeko. To ko sala manso pona ko faire respecter mibeko ya mboko oyo. To ko kotela mutute makasi. To ko landa oyo mibeko e lobby pona Mama Yemo. OK, merci honorable. Voilà. Ezala kindengwa. Hôpital oyo ex Mama Yemo. On doit trouver une solution. Namakam. Botika kobomi sabatu. Même temps bazolo bake hôpital wana za hôpital tertiaire bande konangai. Mama yemo oyeza na nini? Niveau tertiaire angolo bazolo ba niveau tertiaire to ebite. Eza na nini? Na tuna kabino mokonzi nini akendaka kozwa ba soin na Mama Yemo. Bako tange la biso. Amos, merci. Alors, bini sa biso mwa mouke, comme ça, toka bwana toko koutana lou. MalawiMusic.com. Nyimbo za Malawi. Ok. Merci beaucoup. Lobby, je pense, n'a qu'on pèse à bino résultat. Y'a, oh, y'en a pèse à qui bino le numéro y'a qu'on voté pour n'a battu na dossier à casting one. N'a l'oba qui qu'on benga te awa. Kotin date na émission à Masolona de Pité. J'ai donné deux numéros. Le premier numéro, Izala qui plus 243 9 et 997 790 600. 99 plus 243 997 790 699. Le deuxième numéro que je vous ai donné est Zalaki plus 243 plus 243 821 829 817 plus 243 821 829 817. Et après, on a co-voté au Bomoni qui est au côté associé à ma Solona de Pité. Nazo lukaba tuté parce que na lingina comme ministre bazo ko sabino il faut ka kozala na bato. On ne sait jamais, nous allons vivre éternellement ou bien to kozala kana makasi oyo lobby na ko disa ki 76 ans lobby hein, et je pense lobby 76 ans bozomo na kenzo to ezo kende tozo nunati 3e mars yango bozomo na kanzo to ne bozomo na ngomike wana ba na age na ngai. Alors, boko voter mon tout ko associé na Masolona de Pité, na musuto ko pesa tranche. Oto ko pesa. Nde loko to senga kibino na batuana, ko voter bo voter botini na numéro wana. Soki otini na numéro mususu, donc vote wana ko za la prise en compte. Merci bande konanga to ko bonga mapona ko kende mbujimayi wa balengele. Tozo bele la ba PDG jusqu'à aujourd'hui. Sylvain Mabanga, tu as commis mercredi.
binona ba diamantaire mususu yoto zo zo yoro ko la point de contact na ba dese ilunga oji ilunga na bani yonde tozo belela sikoko te ya ba homme d'affaires PDG Kabachi yoto zo belela comme point de contact tala listar tala batarsi tala bande konyoso towa na botala na gi André Chimanga kaka raneko abani wana wakambuya oto zo signer petition yako pesa nanu mbongo oza patron gi André o baluba ndenye nini o maboko betombo aya mesojo monike bawo nyoso na zo tanga wana eza batu bakolo bateke teto koke ni nanzela musoji mtu apesi te boye baki apesi na ete Silva Mabanga ko soupçonné mais c'est amboté. Maweja Dunes ne peut pas soupçonner. Ba Kabachi ne peut pas. Ba Tarsis Banani. Ba Di André Oy ne peut pas soupçonner mais c'est amboté. Soyo mutu a pesité lo ba ki aligni ne ko pesa te ba ADC o di ilunga chivuina. Boye bisaye. Aza sénateur kuna on doit sentir c'est et koza la quand même Sonia keto kitina mbujima esange to tanga ke ba tuana na zo tanga. Ba sali un petit geste. Plus de 143 998 311 332 Ma solona de pité, tout coûte à Nilopi. Merci.